Chers amis internautes branchés connectés dans www.comodialo.com, dans votre émission Espace Dialogue, avec moi José Bolloir. L'Espace Dialogue, la réflexion, la connaissance, ses rencontres. Cette émission d'actualité socioculturelle, politique, analyse chrétienne, réalité du Sud. Comme vous savez, la RDC a pleuré, presque 4 semaines maintenant là, presque 4 semaines, la disparition de ce légendaire, l'ancien international joueur de l'équipe nationale, Monsieur Joseph Pierre Ndaye Moulamba, que nous appelons Papa Ndaye Mutumbila, qui nous a laissé pour quelques semaines, pendant quelques semaines ici à Johannesburg, en Afrique du Sud. Vous savez, suite à une longue maladie, je crois que dans des émissions précédentes, nous vous avions montré l'évolution depuis qu'il est venu de Kinshasa en Afrique du Sud. À des cas, à un moment critique. Alors, il nous a quittés, ça fait un bout de temps. Alors, compte tenu de logistique, compte tenu des frais, compte tenu de moyens, n'est-ce pas, ça n'a pas pu qu'après la mort de notre papa, Kore Kitana Congo. Mais finalement, après des arrangements et l'assistance du gouvernement actuel, cela a fait que le corps soit maintenant programmé à être rapatrié au niveau de Kinshasa. Alors aujourd'hui, le corps a été exposé, le programme a été fait, à partir de 13h que le corps a quitté le morgue, et vers 14h, il y a eu un service funéral qui s'est fait. Et là, nous voyons la présence de notre aîné, hein, quand je dis notre aîné dans le monde du média, qui a introduit, qui était même à la modération, papa, monsieur Jeff Katala, qui est analyste sportif dans cette grande chaîne d'ici de l'Afrique du Sud, Supersport. Il était présent. Nous avons vu aussi tant d'autres Congolais présents, assistants. Quoique, l'assistance n'était pas vraiment nombreuse. Il n'y avait pas assez beaucoup de gens parce que c'était pendant la semaine. Aujourd'hui, c'est mardi 19 février. Mais dis-moi, il y avait quand même des gens qui ont répondu à l'exposition. Il y a encore, il y a Papa Nabiso Ndaye. Je crois qu'en collaboration avec la technique, je vais vous balancer comment s'est passée l'exposition. Et je crois que notre sœur, notre amie, notre fille, Sylvie Ndaye, qui a accompagné papa depuis Congo, Tio en Afrique du Sud, tous ces temps ici inconsolables. Je dis grand merci à Jenny Okasa ainsi que Charlie, qui va représenter la communauté congolaise dans l'exposition encore. Vraiment, coup de chapeau à Bino. Et je vois aussi papa Jean-Marie qui était à la caméra. Je vois Dems Vidéo. Batonio, ça média quand même, média Mogouin, vraiment solide. Unité Mogouin bien, juste pour Nako. Mais Massango, il y a exposition encore, il y a Papa Nabiso Ndaye. Donc, c'est confirmé et c'était fait. Le corps a été exposé aujourd'hui en Afrique du Sud, dans Johannesburg, au niveau à Brafontaine, juste à côté à l'université à Wits. Cérémonie le Kinango bien et tout s'est bien passé. Tout le monde dit témoignage. Et je vous proposerai aussi témoignage à Mimi Orange, l'ancien joueur. Donc, on a presque pas vraiment génération, moi, comme du moins. Ancien légendaire, il y a football, hein, grand joueur, il y a Imana, Mimi Orange, il n'y a pas pensé qui témoignage, je vais vous proposer cela. Bolanda Yango, comment cela s'est passé? Donc, manifestement, il y a un regret dans le gouvernement en place, que néglige à Kaba, la culture, le sport, il y a un peu de cannabis. Parce que vous savez que ce qui est le salami, et puis ça bise toujours les sons. On ne peut pas seulement se limiter à coller là. On doit quand même prendre quelque chose. Même nos autorités, ministre et tout, surtout ministre du sport, on doit quand même prendre une leçon là-dessus. Papa Nabiso Akoufi, il a été malade pendant beaucoup d'années. Et il fallait que la famille insister. Après avoir insisté, Mouta, demi-mort, transféré Corné Awa. Niveau Afrique du Sud, donc papa, Tikalo Monata Moya Libanda, Tamonata Santon, Tamonata Mandela Square T. Donc, quand ils allaient critiquer à connaître, au moins, je crois, 2-3 opérations. Je vous avais dit dans l'émission, les cas qui ont qui méningite, ça là qu'il fallait vider ma main, la bongo, tout ça. Et position à Roula, là, pendant beaucoup de mois, et pote à Zakina Mukongo. Donc, le père vraiment a souffert. Mais comme c'est Dieu qui a toujours le dernier mot,
il s'est décidé que na ebandilani à 2019 oyo papa na bisati kabiso na ange à 70 ans. Il est né en 1949. Les autres en 2019 dans 70 ans on a tout le français a bien 70 ans 70 ans papa Nabisso a tiki biso vraiment paix à son âme et paix à son âme et puis condoléances à toute la famille surtout à notre sœur Sylvine d'ailleurs inconsolable oyo bandeko dis-moi bas sisteye. Alors lobby c'est le 20 mercredi le 20 corps sera répatrié au niveau de Kinshasa et je crois dès là et le gouvernement le ministère des sports va prendre en charge. Il y a des obsèques et puis enterrement de Nostoana. Je crois en collaboration avec nos amis de Kinshasa, même avec, au travers de mes émissions, nous ne manquerons pas. Il y a Copé Sabino, évolution jusqu'à il y a enterrement d'Enge et Kosalama. Grand merci à Irène Arlette, je m'excuse, Arlette Itaka, hein, ma consoeur au niveau de Kinshasa, à EPIC. Autres années toujours en collaboration. Astozo Pesaka et information pour l'évolution. Et puis grand merci. Naba diaspora nyon so bozala ke belé pour na ko participer na exposition ya kor ya papa na biso vraiment légende elle légende oyo FIFA ezole la CAF ezole la ba ta kan bazole la comité ne ezole la ministère des sports ezole la ba to nyon so ya monde football bazole la disparition ya géant o atiki biso jusqu'aujourd'hui ils ont un joueur mon côté africain o ya kokisi na FB papa na biso ndaye a marqué qui question zali. Nous demandons suite à Bani Kozalandengini comment vous allez prendre soin de ces enfants-là. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose pour quand même commémorer la présence marquable et légende Oyo Ndaye, hein? Légende d'histoire, Tileloyo. Et ça passe. Baba Tikali, je crois que c'est une interpellation à notre gouvernement, une interpellation à nos, au ministère des Sports et Loisirs que nous devons prendre soin de ceux qui sont encore en vie, qui ont marqué l'histoire du football, marqué l'histoire des catch, marqué l'histoire de boxe, marqué l'histoire des karaté, marqué l'imam, qui ont marqué l'histoire de l'athlétisme, marqué l'histoire dans le domaine du sport à Mbokanabiso, parce qu'ils représentaient, ils élevaient le flag, le drapeau de notre pays RDC. Alors, voilà un peu ce que j'ai voulu vous informer. Grand merci à Maman Francine Game de la Belgique pour la confiance qu'il nous donne pour tous à toujours dans ma petite écran. Bolanda Bisso, toutes personnes d'informations. S'il y a des questions à poser, des suggestions à faire, vous voulez même sponsoriser nos émissions, n'hésitez pas. Comme la Bisso, nous serons toujours en tâche pour que vous puissiez être informés, formés et être toujours à la page de l'actualité. Exposition du corps de Papa Ndaye. Ça sera répatrié demain le 20. Février 2019 à Kinshasa. Restez branchés et abonnez-vous massivement sur Congo Dialogue. Encore une fois, condoléances à Sylvie et à toute la famille proche et éloignée de Papa Ndaye Joseph Mutumbila. Merci, restez branchés. Bye. À l'époque, bien le football est comme les autres, c'est difficile de ne pas égaler. Le football, mes connaissances, tout le temps dans la classe, donc je vais à mon tata depuis mon enfance, dans les encombres sport. Et puis, souvenir de la famille, pour la vie, était la dernière personne à lui raconter quand il entrait avec Kinshasa. À partir de quel temps, il m'appelait Benoît. Et Benoît, je ne peux pas rentrer pendant mon heure. Il est allé à l'aéroport, j'ai fait mon mien, j'ai vu le bien, on s'est parlé, tout solo là, tout le restaurant, on s'est embrassé. Avec ça, on m'a remis sous le narico. Donc, c'est vraiment triste. Le vieux mort avec un cœur blessé. Ça m'a remis sous le média, ils allaient à l'aéroport, le bâté, mais, et au sein, la pédale, photo, il ne s'appelait la vérité, le sous. Le vieux a été un peu négligé. Au banana, on a beaucoup la vie. Tout le barabo, la douane a été à mon air en hôtel. Sa fille est là. Elle tenait toujours. Au moins, on n'a pas papa. Papa n'est allé que pour tenir un thème.
Oh, voilà, ma grand, merci à toi, maman Francine Gueme de la Belgique, la coordinatrice grand prêtre mère. Merci. Voilà un peu l'actualité de Ngato Mionabino dans la semaine Oyo. Expression encore, il y a le défunt, M. Joseph Ndaye Mutumbila, Moulamba Otikotikabiso. Merci aussi à toi, Tike. Hein? Grâce pour la prise de vie. Merci. On se retrouve à la fois prochaine.